back door. On va t'envoyer aux galères pour une simple miche de pain. Tous ceux qui sont ici accusent la même chose. Et c'est ça qu'ils appellent la justice. Si je le pouvais, j'arracherais les barreaux de cette prison. Et je me battrais pour gagner ma liberté. Tous ceux qui sont ici en feraient autant. Mais j'ai peur que notre sort nous attende. Oh, Michel. Vérifie que cette cellule est fermée à double tour, c'est pas leur quête. Oui, monsieur. Les cellules sont dans bon ordre. Ah ben... Donne-nous cette poudre ou on te taille en pièces. Au secours! Tu tiens vraiment à souffrir? Merci, monsieur. Tout va bien? Oui. Vous acceptez de me conduire en sûreté, je vous promets le spectacle de votre vie. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. J'ai déjà tué une centaine de crétins. Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement.
entendez-vous par là ? Rien. Surprise pour sa belle. Je suis si contente de vous voir. J'espère que vous ne semblez pas agité. La soirée ne fait que commencer. Quelqu'un ? Ah, qui t'a tué, Antoine ? Une minute. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, ne me lève pas. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre ! Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations avec l'ancien. Il complotait contre la révolution d'une main, tout en jurant soutenir la constitution de l'autre. Bien.
Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le Pelletier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise.